Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vera Rising. Bon bah comme d'habitude, hein, un petit boss. Avant, j'ai quand même beaucoup farmé. Je crois que j'ai trouvé ça. Au pire, on peut prendre ça. Et on va aller voir. Hein. Ah yes. Ouais, résistance à l'ail. Câbles. Ensuite là, ça doit être de l'équipement, ça va être ça. Moi c'est quoi? C'est chasseur de sang. C'est crépuscule, ok. Ok. Sympa. Là, il y a les cheminées. Barrière noble. Ouais, il y a plein de petits trucs encore à faire. Toc, décoration. Ouais, il y a plein de trucs comme ça dans ce style-là que j'ai pas fait. Qui pourrait être sympa. Ah, il y a les cheminées aussi. Ça peut être sympa aussi, ça. Il faut quoi? 4 pierres. 4 corps de pierre. 2 soufre. Laquelle est la plus sympa? Celle-là, j'aime bien. Moi, je préfère celle-là. Hop. Ah, j'en ai pas beaucoup. Ah, si, c'est bon. Non, je crois que c'est deux. Hop. Et... pierre. Hop, comme ça. Alors, B, cheminée, j'ai dit que moi. Corps de pierre. Ah, ça qu'il me fallait? Qu'est-ce que j'ai pris? Corps de pierre. Je l'ai pas pris. Nunuche. Ouais, celle-là est sympa. Reste à voir où est-ce qu'on va la mettre. Parce que là, tout est pris comme place. Après... j'ai l'étage aussi. Où est-ce que je pourrais mettre ça? C'est du décoratif, hein, évidemment. Pourquoi pas le... comme ça? Pourquoi pas? Fait de la déco. C'est sympa. C'est sympa. Ok, allez, maintenant. Jardin. Il y a des trucs que... ah, voilà, ça. Il faut des lingots de fer. Lingots de fer, lingots de fer ou... corps de pierre. Lingots de fer ou corps de pierre, d'accord. Lingot de fer. Qu'est-ce que j'ai qui se crée là-dedans? Je sais plus. Bon, y a un petit peu de tout. Allons voir ce qu'on peut faire pour déco un peu plus. C'est grand ça ou pas? Ah non. Ça pourrait être sympa là. Ou là peut-être.
faire comme ça. Il n'y a pas d'interaction apparemment. Attention, là, le soleil. On va mettre ça là par exemple. Ouais, non, pas là. Là. Ah, là, ça peut être sympa. Ça fait bizarre quand même. Non, là, ça peut être cool, là. Ah! Je vais t'ennuyer par le soleil. Ouais, non, ça fait bizarre. Ici, ça pourrait être bien. Hein. Genre là. Heureusement que j'ai rajouté des arbres. Parfait. Bon bah voilà, on fait un petit peu de déco, ça fait du bien. Bon, alors, un boss. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a dû débloquer des nouvelles choses. Ah ouais. Alors qu'on regarde ça. Général Elena. Ah bah oui, hôtel de l'éveil stygien. Ça peut être sympa ça. Alors, elle est où? Très loin. Vers... Vers l'est. Nord-est. Mais plus vers l'est, apparemment. Nord-est. Ok. Alors... Le nord-est, ça serait par là. Ah, bah tiens, regardez. On a une faille ici. On va aller voir, tiens. On va aller voir ce que ça rapporte. Il reste combien de temps? 12 minutes. On va tester, du coup. Parce que depuis le temps qu'on en cherche une... On va bien voir ce que ça va donner. Elle est très proche. Ouais. Et moi, pour l'instant, je vais aller tester ça. On se calme les petits, on se calme. Eh ben. Je ramasse plein de trucs, hein. Il va me falloir du sang. Sanguine regeneration. Donc. C'est une 57+.
Ouais, my blood reserves run low. Ah, les gars. Mais c'est pas grave. Ah. On va pas y arriver, hein. Pas rentrer dedans. Alors apparemment c'est là. Petite don. Blood sustains me. Événement du monde, incursion de faille, d'accord. On va voir ce que c'est, mais j'ai déjà visité ce coin. Hein. J'ai déjà visité. En farmant. C'est peut-être ça, non? Je sais pas ce qu'il faut faire. Apparemment, il y a un... Ah, attendez. Il est allé voir là-bas. Qui m'ennuie le plus. Aïe. Par... Ah non, je suis pas coincé en fait. Je suis attiré. Oh. Attendez les gars, je vais me soigner un petit peu. Hein. Sanguine. Allez, gentil. Ah non. Ah.
Bon, dis donc. En même temps, on pourrait peut-être prendre des potions. Ça nous aiderait certainement. Hop, allez, on y retourne. Détruit. Ça, je ramasse volontiers. J'aime capter. Capter. Elle a pris son envol. Voilà. Alors après, il faut aller par là, apparemment. Les patrouilles, les patrouilles, les patrouilles. Évidemment, vous allez par là-haut. Il reste une minute. Une minute trente, ça va être chaud, hein. Très seconde.
Hop, celle-là elle a éclaté. Là c'est fini, j'en sais rien parce que... Sur la carte, il y a toujours l'icône. Regardez, il y a toujours l'icône, hein. Une arme ancestrale, quand on réussit apparemment. Et après, il y a une niveau 80. Et apparemment, là, je vois, c'est rouge. Ouais, c'est ça. C'est la niveau 80, ici. Alors, donc, ici, c'est terminé. C'est ça. Pourquoi elle apparaît toujours, alors? Ok. Donc, il va falloir... arriver à en capter une... quand elle commence. Bah non, il y a toujours. Ah non, regardez. On va essayer. Ah, on a débloqué un boss. Hein. Le soleil. On a réussi une faille, hein, apparemment. Voilà. On récupère un peu. Ah, attendez, j'ai looté quelque chose de pas mal, là. On va regarder après. Bon, bah dites donc. Alors, on a eu la lame héritée. Pas mal. Une épée de fer impitoyable, donc ça c'est cool. C'est surtout l'alliage de radium pour l'instant qui va me manquer. Et ça c'est plus une épée, une grande épée, d'accord. Waouh, waouh, waouh. Pas mal en fait, ces petites events. Et on a un livre aussi, ici, le plastron de chasseur de sang. Yes, bah non, je l'ai déjà. Je me suis un petit peu avancé. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Alors, le boss, apparemment, il est à proximité. Je vais essayer de passer par là, on va éviter les combats. Pour l'instant, à proximité.
Par où? Par là. Ah oui, il y a le vendeur ici aussi qui vend des trucs assez sympas. Avec des fragments qui s'achètent avec des fragments stygiens. Bon, je sais plus comment ça s'appelle. Ok. Et il est là. Là, il vend ça pour 750 fragments stygiens. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. J'en ai déjà quelques-uns, donc affaire à suivre. Donc elle est où elle? Voilà. On a du bon sang. Elle est très proche, mais où? Ah. Elle est pas là? Non, j'ai pas l'impression. Ah, attendez. Général Elena, si elle est là. Purée, elle a tout ça comme. Alors, est-ce que c'est juste une patrouille qui. Ah, c'est juste une patrouille qui passe avec elle. Ok, on y va. Ça va être chaud, hein. Je le sens pas. The Legion of Nocturne exists, sir. Power! C'est sa patrie qu'il faut tuer. Tranquille. Power! The Legion of Noctum rises above. Die! Borderon bends to my master's will. Feel the chill! Ah, puis moi qui me met dans. Ah, une fois. Une protection. Demands perfection, and so he will have it. Die! Vorderon bends to my master's will. Allez, coup de grâce. I'm sorry, master. Elena l'implacable. Oh. I feel stronger. Combat sympa. Combat très sympa, j'ai bien aimé. Il y a des combats que j'aime pas. Bon, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Pierre scintillante. Ok.
J. Là. D'accord. Ouais. Non, je préférais une protection. On va prendre celui-là. Ok. Le truc niveau 80, bon bah on n'y pense même pas. Ça là, c'est même pas la peine d'y penser. Le TP à mon avis, on va pas pouvoir... Ah, qui c'est qui m'attaque ? Donc, il va falloir rentrer. On va pas pouvoir se TP de toute façon. Allez, de retour à la base. On va pouvoir regarder un petit peu ce que elle nous a appris. Bon, alors, les tapis, évidemment. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. L'hôtel de l'éveil stygien. 4 essences sanguines supérieures. Deux lingots de fer, je crois. Attendez, c'est où? Là. Non, 12 lingots de fer et un rubis. Hop. Bon, je vais tout prendre. Et un rubis. Ici, voilà. Très bien. Je vais le mettre en bas. À mon avis, ça correspondrait peut-être un peu plus à de l'alchimie. B. Production. Ça. Juste là, impec. Alors voyons voir ce qu'on peut faire. Ah ouais. Capacité passive, hôtel de l'éveil stygien. Alors tout est grisé. 400 fragments stygiens. Les coups critiques drainent 5% de santé. De plus, il a 25% de chance de faire apparaître un orbe sanglant en tuant une cible affectée par drain. Un orbe sanglant, c'est quoi? Est-ce que c'est ce qui correspondrait un petit peu quand on met le sang V à 50%, c'est-à-dire on le prend et puis ça nous soigne? Je sais pas. Les dégâts infligés par brûlure augmentent de 20%, de plus il y a 50% de chance d'explosion chaotique. Brûle les ennemis touchés. Alors moi je joue plus avec les malédictions. Par exemple, 15% de chance d'invoquer un mage squelette et que les sbires infligent 10% de dégâts supplémentaires lorsqu'une cible maudite périt. D'accord. En fait c'est pour chaque école. Un peu comme moi, j'aime bien l'école malédiction, vous voyez. Augmente les dégâts magiques infligés aux ennemis affaiblis de 10%, ainsi que la durée d'affaiblissement de 1 seconde. Alors, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Est-ce qu'on peut tout débloquer? Ou est-ce qu'il faut en débloquer un? Bah, écoutez, on va tester, hein, on va bien voir. Je crois que j'ai ce qu'il faut en... Il en faut 400. Non, il en faut 800, je crois. Non, pas ça. Bon, allez, je prends tout.
Ce sera plus simple, hein. Donc, débloquer. D'accord. Et imaginons que je prenne celui-là. D'accord, donc là, j'ai débloqué tout ça. Ah. Donc, c'est intéressant. Ah, attendez. Attendez, attendez, attendez. Rang 2. Ah, c'est beaucoup plus cher, en effet. Augmente les dégâts infligés aux porteurs de 100 V de 10%. D'accord. Augmente votre vitesse de déplacement de 6% pendant 8 secondes lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis. D'accord. Réduit le temps de recharge de se nourrir de 2 secondes. De plus, il y a 20% de chance d'invoquer un guerrier squelette lors de l'utilisation de morsures. Ouais. D'accord. Toutes les résistances de 10. Ça, ça peut être sympa, ça. D'accord. Réduit le temps de recharge des sorts de 5%. Réduit les dégâts subis de 20% lorsque la santé est inférieure à 15%. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est très sympa, ça. Ok. Ouais, bah, écoutez. Alors, donc, du coup, là, on a... Ah, ça serait bien qu'on ait un petit récap. Donc, nous, on a débloqué 15% de chance d'invoquer un mage squelette et que les sbires infligent 10% de dégâts supplémentaires lorsqu'une cible maudite périt. D'accord. Et on a aussi débloqué augmenter dégâts magiques infligés aux ennemis affaiblis de 10% ainsi que la durée d'affaiblissement de 1 seconde. D'accord. Eh bien, écoutez, on va arrêter ici. Ça, c'est très sympa. C'est très très sympa. Ça va motiver à farmer un peu les fragments stygiens. Hop. Voilà. Attendez. Non, attendez. Pourquoi c'est là, ça? Hop, ça, on va le mettre ici. Voilà. Ça, je sais toujours pas fabriquer. Mais bon, là, ça se fabrique tout seul, c'est bien. Bon, et ben on va arrêter là. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à les likes, les partages, ou même les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.